Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la Loserty. Donc tout simplement pour essayer de vous présenter le meilleur deck pour le défi recrue plus que royal. Je crois que c'est ça, oui je crois que c'est ça, je suis même sûr presque. Donc là on va... je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. S'il la défend bien ça peut être ok. On va bûche. Et on va bien voir ce qu'il nous joue. De toute façon faut essayer de vite cycler dans ce mode les recrues. Et moi ce que j'aime bien faire, c'est quand j'ai mes recrues évoluées, en général dans ce mode c'est dur d'outcycle les recrues, donc oh là là, masterclass, c'est dur d'outcycle un peu les recrues, donc c'est vrai que des fois il vaut mieux le laisser jouer ses recrues évoluées même si vous prenez un petit peu de dégâts et après jouer les vôtres tranquillement après. C'est un truc que j'aime bien faire parce que si tu mets les recrues évoluées dans le fond et que lui te met les recrues évoluées en face, j'ai l'impression que c'est pas très intéressant. Donc on va voir un peu comment il attaque. Ok, c'est dommage qu'il y a l'artificiaire dans le fond parce que du coup, ouais, ok, parfait. Voilà, on va en profiter du coup, on va faire un petit bénéfice on va dire. Alors qu'est-ce que j'ai modifié dans le deck? En fait c'est un peu le deck recru. Sauf que j'y ai ajouté donc une bûche, normalement c'est un feu à... Est-ce que je peux tout avoir? Non, je pourrais pas tout avoir, ce que je vais faire c'est je vais faire ça comme ça. Et après je vais faire ça comme ça, ça va focus. Ouais bon, je sais pas si j'aurais pu mieux faire mais... Oh le dernier coup. Oh là, je me suis déconcentré. 0,5 secondes. Ok, reprend l'avantage. Bon ouais, on va attendre de voir. Ok, on va tanker avec ça. Et là ça va être pas mal je pense. Ok, on va quasiment prendre la tour. On va laisser juste un petit électrocuteur de ce côté. Ça, ça devrait suffire à la défense. Et là, je sais pas trop comment j'ai envie de le dé... What? Ah, je viens complètement miskip ma boule de feu, là. Je voulais pas la mettre là, évidemment. Ok. Bon, c'est pas trop grave. Comment on va jouer ça? On va la jouer. Ça va prendre la tour, ok parfait. Et là on va juste défendre. Hop, sur l'artificiaire. Ok, il met tout dedans en plus. C'est parfait. Oh là là, la tour à bombe. Ah, la tour à bombe, elle est vraiment forte. Hein. Je sais pas si elle va se prendre la nerve bientôt, mais en tout cas, c'est vrai que je la trouve très forte la tour à bombe. En tout cas, on va se retrouver directement dans une seconde game. C'est parti. Donc juste avant la deuxième game, tout simplement petite pause sur le deck, donc vous avez les recrues obligatoirement. Donc avec ça, les électrocuteurs, électro-esprit, boule de feu, cochon, ça c'est habituel dans le deck recru. Maintenant ce que j'ai rajouté à la place de la machine artificière, parce que pour défendre le recru, c'est vrai que ça peut être intéressant. La bûche, parce que j'ai croisé pas mal de lockbait également. Et à la place de la cage goblin habituelle, une tour à bombe. Encore une fois, dans l'optique de défendre les recrues évoluées, on va se retrouver directement dans la seconde game. C'est parti. Et donc, directement dans la seconde game contre Deathwing, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cycler les recrues en fond de map. Il fait pareil. Ok, jusqu'à là, rien de très surprenant. Donc, ce que je voulais vous dire également, n'hésitez pas dans les commentaires. Donc là, sur la chaîne, on a un peu un objectif de faire une vidéo par jour à partir de maintenant. Une grosse vidéo et plus forcément des shorts. Du coup n'hésitez pas à mettre dans les commentaires soit des decks que vous trouvez intéressants et qu'il faudrait tester, donc sur lesquels je pourrais faire potentiellement une vidéo, soit des idées de challenge dans le style hier par exemple j'ai posté une vidéo gagner avec un deck 1.6 je crois. Et franchement le deck était incroyable à jouer. Franchement j'ai bien aimé jouer le deck en tout cas. Et si vous avez des idées de vidéos dans le style, dans un chill style un peu challenge sur Clash Royale, n'hésitez pas. Là je viens de rater ma tour à bombe, parfait. Ouais ça va faire un peu mal ça. Ça va faire un peu mal. Mais donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ok, ce qu'on va faire c'est que je pense pas que je vais partir en recrue maintenant. Peut-être plutôt cycler, je vais voir s'il y a une boule de feu au moins. Là, normalement je pense qu'il va me la mettre s'il a une boule de feu. Ok. Voilà, peut-être une boule de feu il l'a juste pas joué mais.
Oh, dommage. Ce qu'on va faire là, c'est vrai qu'on est un peu derrière. Là, on n'a pas trop le choix. Hein. On n'a pas trop le choix que de jouer ça. En vrai, la machine, je vais pas la défendre plus que ça, je pense. Là, faut vraiment tenter un truc parce que sinon. Sinon, on n'est pas prêt de passer. Ça va gratter un petit peu. Si on pouvait juste au moins revenir à sa hauteur. Ok. En vrai, ça va. Je vais mettre une petite bûche pour finir tout ça à gauche. Et on sera pas mal. Et je vais partir dans une artificière en fond de map. Et là, je vais juste aller essayer de gratter comme ça. Ok, du coup, il met bien une boule de feu. Donc, il a bien la boule de feu exactement. Un peu embêtant ça. Ok. Bon, la tour à bombe peut nous mettre bien dans le match-up en tout cas. Si je la rate pas encore une fois, bien sûr. Ok. Là, du coup, ça va faire une belle def. Il force avec une boule de feu, ça c'est pas intelligent du tout. Hein. Ça c'est pas du tout intelligent. Il va mettre sa cage, mais il va quand même prendre pas mal de dégâts. On va juste aller défendre avec nos appis. Il va peut-être partir. Ok. Ah, ça fait un peu d'élixir ça, mais on n'a pas trop le choix. Hein. On n'a pas envie que le gobelin aille gratter notre tour, ça c'est clair. Donc, comment je peux jouer ça? Et là, j'ai juste peur de ses recrues en fait. Ouais. Ok. Là, il faut vite essayer d'aller cycler. Pourquoi pas. Ok, pas mal. Ok, ça c'est top. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut. On va partir en cochon royal ici. Est-ce qu'il y en a un qui peut se faufiler ou pas? Non. Ok, l'esprit qui gratte. C'est pas plus mal, hein. Allez, vite, 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 vite. Oh, c'est une catastrophe. Oh, c'est une catastrophe. Bon, ça va. Ça va que j'ai les deux lines à défendre. Peut-être que la tour à bombe va nous carry la fin. Ok. Là, on a. Après, le fait de ne pas avoir de machine, c'est vrai que c'est pas facile. Parce que là, par exemple, je mets une machine, le mec est quand même mal. Mais. On va voir un peu comment la jouer. Ok. Ok, il nous offre ça. Moi, bon, je prends clairement. Hein. Ok, on va défendre notre artie. Allez. Ouais. Là, on va push. Ici et ici en même temps. Allez, 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 allez. Allez, faut gratter la tour. Let's go. Ça recule le gobelin. Allez, faut cycler là. Là, faut cycler là. Allez, les sapeurs. Oula, les sapeurs. Comment ça, les sapeurs? Let's go. Bon, là, c'était un peu à l'arrache. Là, c'était un peu à l'arrache. Mais, bon. Partez du principe que si vous ratez pas votre tour à bombe comme moi contre le deck recrue, et le deck recrue pour moi ce sera vraiment majoritaire parce que les gens ne vont pas se casser la tête. Le deck recrue il est quand même assez connu. Donc on se dit juste se dire on va reprendre le deck recrue et on va ben, jouer avec dans ce défi. Donc moi pour moi partez du principe que contre ce deck vous aurez un énorme avantage. Donc je pense que le deck va très bien réussir. Avec la tour à bombe bien sûr si vous la ratez pas. Normalement, ce sera quasiment, enfin, ce sera un très bon match-up pour vous. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à faire votre retour en commentaire sur le deck. Est-ce qu'il vous a aidé? Est-ce qu'il a bien marché pour vous? En tout cas, c'était la Loserty. À dès demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!